On est ici pour donner quelques détails en plus sur le nouvel album de Grille, Les Grandes Compagnies. Et comme première approche, on commencera à parler d'abord des thèmes et du titre de cet album. Ça permettra de mieux développer ce qui fait en quelque sorte l'habillage lyrique, thématique et visuel de cette production. Les Grandes Compagnies, ce sont les bandes de mercenaires et de soldats livrés à elles-mêmes, parfois payés et parfois embauchés et puis parfois abandonnés, dans à peu près toute l'Europe finalement du Moyen-Âge. Donc on les trouve dès le 13e et peut-être même avant sous une autre forme, jusqu'à la Renaissance. On dit même que sous Louis XIII, certains groupes de bandits existaient encore. C'était des compagnies de soldats, de routiers, de mercenaires. Une fois qu'on n'avait plus besoin de leur service, on les laissait aller où ils voulaient, mais on ne les raccompagnait pas forcément à l'endroit d'où on les avait fait venir. Livrés à eux-mêmes, ces soldats, sous la direction d'un chef, généralement ensuite étaient condamnés à errer, vivant de leur déprédation et de leur pillage sur tout le territoire. Pourquoi on a choisi une thématique guerrière très terre-à-terre comparé au thème fantastique généralement développé dans le projet Grille? Tout simplement parce qu'il y a une dimension fantastique aussi dans la réputation et dans l'aura qu'ont pu avoir les grandes compagnies pendant tout le Moyen-Âge. C'est aussi pour ça qu'on a choisi comme position temporelle la fin du Moyen-Âge et peut-être même le début de la Renaissance, puisque ça permettait de, en quelque sorte, résumer toute la thématique. Elles disparaissent avec l'arrivée d'une nouvelle armée de métiers, elles disparaissent avec l'arrivée de nouvelles armes. Elles ont une disparition assez fantastique, en greffant une bonne partie de leur folklore aussi, sur tout ce qu'on peut appeler compagnie de Lansquenet. Les thèmes qui sont développés sont des thèmes autour de la guerre et aussi basés donc temporellement entre la fin du 14e, le 15e et le début de la Renaissance, ce qui est assez large. C'est une vision bien entendu pas forcément que historique mais aussi fantastique, fantasmée et rêvée de la guerre au Moyen-Âge. C'est complètement assumé comme étant un album de plus de Grille, c'est-à-dire les thèmes fantastiques, les thèmes merveilleux, avec bien entendu un ancrage concret dans le réel. Au niveau de l'artwork aussi, on a le parti pris de marquer vraiment une différence entre le Grille enluminé, donc des châteaux, des intellectuels et le prochain album qui sera plus brutal finalement. Oui, plus urbain et plus errant en fait, à la fois urbain, à la fois champêtre. Et les techniques de décoration de l'artwork suivront ça bien entendu. On pourra le développer plus tard. Peut-être qu'on pourrait, à l'avenir, développer plus sous le même format de vidéo et d'explication, développer plus sur les thématiques, les paroles qu'on va utiliser dans cet album-là, et puis aussi éventuellement sur les instruments.